lutte contre les violences et les discriminations dont sont victimes les femmes, pour l'égalité, la liberté. Je vous demanderai de porter le masque tout au long de cette courte cérémonie, qui est filmée par Marie-Jean Pompou, qui n'est pas juste pour ça. Madame, vous pourrez vous signaler à elle si vous ne souhaitez pas apparaître sur les images. Le 6 décembre 1989, certaines étudiantes québécoises qui se destinaient aux études d'ingénieur ont été assassinées. 19 autres blessées par un terrorisme masculin qui n'a pas envie de propager le nom. Armé d'un fusil mitrailleur, il est entré dans l'école polytechnique de Montréal, a pénétré dans une salle de cours, en a fait sortir les hommes et a tiré sur les femmes présentes au cri de « Je hais les féministes ». On a trouvé sur lui un tract anti-féministe des listes de femmes connues qu'il voulait également assassiner. Ce massacre n'est pas l'acte d'un fou isolé. Les féminicides, 107 aujourd'hui, hier c'était 106, 107 à ce jour en France pour les 11 premiers mois de l'année, ne sont pas des actes isolés. Les viols, les violences et les agressions dont sont victimes les femmes ne sont pas des actes isolés. Les discriminations qu'elles subissent quotidiennement dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle ne sont pas des actes isolés. Ces actes, ces faits, ces décisions, ces gestes, ces comportements forment le ciment du patriarcat, système politique où la domination masculine est encore si fière d'elle-même qu'elle envahit le champ médiatique et électoral, ne cessant jamais, à chaque point de rue, de nous opprimer. Si je suis attachée à la commémoration de ce massacre, c'est aussi parce que d'aucuns s'en revendiquent en France aujourd'hui, et qu'à mon sens, le seul moyen d'obtenir l'égalité, la liberté, de faire que la vie des femmes, comme toute autre vie, soit respectée, protégée, c'est de s'attaquer aux racines du mal et au système de domination qui m'est si cher. J'ai écrit mal, avec un accent circonflexe et un E, et cher, C-H-A-R. À l'appel du nom de chaque femme morte au cours de ce massacre, j'invite les 14 personnes qui portent une rose à venir la déposer au pied de cette fontaine de l'artiste québécois, Charles Baudelin, qui accueille depuis plus de 20 ans notre souvenir et l'emporte jusque dans les eaux de Saint-Laurent. Je gage que cette place accueillera bientôt une plaque commémorative. Elle s'appelait Barbara Daigneau. Anne-Marie Edouard. Maud Avirny. Barbara Maria Kluznik. Marie Flaganelli.
Marie Lebec. Annie Saturno. Les violences
d'ailleurs et de partout. Avorter n'est plus une barrière, c'est un droit, leur battons-nous. Isolés, expatriés, violés ne seront plus jamais. Ensemble, nous portons désormais la lutte de notre côté. C'est la marche mondiale où pour nous. Le lutin, il y a le lutin.
Laurence te remercie. Par contre, je voulais prendre ça, mais il y a trop de... Il y a un trop... Mettez-vous prêt. Il y a un reflet. Non, mais c'est pas grave. Mais mettez-vous prêt. Voilà.